Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo toute mignonne sur un S10 de chez Samsung qui est blanc, un magnifique blanc irisé. Donc pour le coup, il est vraiment très beau. Mais par contre, grand classique de chez Samsung, il a tout cassé. Donc, on va changer la vitre arrière. J'ai acheté une vitre arrière chez Utopia. Qui n'est pas du service pack, mais honnêtement, qui a tous les collants et qui est vraiment de super bonne qualité. Donc, on prend un peu d'air chaud. Si vous n'avez pas de pistolet air chaud à la maison, vous prenez tout simplement décapeur thermique, non, parce que ça chauffe un peu trop. Par contre, à sèche-cheveux, c'est parfait. Comme ça, vous mettez un coup de séchoir, glou 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 sur tout le long, vous prenez un outil un peu fin, vous le passez dessous comme ça, et ensuite après on vient tout enlever, hop, et allez, on va chauffer tout ça, et vous allez voir que en 3 minutes top chronos, le problème est résolu et on a un téléphone qui est tout mignon. Par contre, du coup, faites gaffe parce que effectivement, quand vous démontez une vitre arrière qui est cassée déjà, ça peut mettre un peu du verre partout. Donc du coup, voilà, faites attention. Vous voyez, quand c'est chaud, ça s'enlève tout seul. On va remettre un coup de chaufferette de ce côté. Ouais, ce blanc est vraiment beau. Hein. Il est irisé. Vous avez du violet dedans. Vous avez du rose. Pour le coup, c'est vraiment une belle coque arrière. Donc, ça va être beaucoup plus sympa de lui mettre une belle coque arrière pour retrouver un joli téléphone. Et voilà. Hop là. Et donc du coup, comme je vous disais, faites gaffe si vous avez votre coque qui est bien cassée, ça met du verre partout. Donc du coup, allez-y, mollo. Hop là. Et voilà. Whip. On a ouvert. On va venir enlever tous les résidus de colle qu'on a parce que sinon, ça va derrière, après, ça va pas coller. Et donc du coup, si ça colle pas, après l'étanchéité, elle se fait pas. Hop. Et voilà. On nettoie tout bien comme il faut. Allez, on enlève tout ça. C'est important hein, de bien nettoyer le support, sinon ça, c'est après un peu merdique sinon. Je pense qu'au final, on est d'accord pour dire que c'est dans le changement de la vitre arrière, je crois que c'est le plus merdique. Hop, là, il y a un bout. Hop. Allez. On vient enlever ça. Hop.
On prend une petite brossette. On nettoie tout ça. Hop. Là, on est pas mal. Comment que ça s'appelle ça? Oui, de l'AMSR. C'est vrai que des fois, c'est très reposant. Je dois bien l'avouer. Qualitativement, c'est chouette. Et voilà. Et voilà les amis, c'est collé. Tadam! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis peut-être de réparer votre téléphone, sachant que donc une vitre comme ça vaut à peu près 12 euros. Donc voilà, ouais, c'est pas la fin du monde. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, le plus important, prenez soin de vous en cette période de fête. À bientôt, bye bye!